salut à tous et à toutes, ici Nico Ispro. Ah, quelle chaleur aujourd'hui! Il doit faire pas loin de 30 degrés. Peu de vent, en plein cagnard, en chemise à carreaux et crâne rasé, chercher l'erreur. Un vrai fou quoi. Un fou qui va vous faire une petite session musicale. Bon, vous risquez d'attendre un peu de vent. Ce qui est normal, je suis monté comme qui dirait dans les hauteurs. Donc je me trouve pas loin d'un charmant village qui s'appelle Fouzillon. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et je vous propose qu'on s'enregistre tout de suite la première piste. Alors j'ai envie de partir sur quelque chose de très électronique. Donc on va partir sur ceci. C'est enregistré. Tout simplement. Et maintenant, on va rajouter un octave par-dessus. C'est-à-dire, je multiplie la piste pour y rajouter une note par-dessus du même instrument, c'est-à-dire ceci. Et on va se la jouer plutôt comme ceci, avec un petit accord. C'est dans la boîte. Eh, mais c'est que ça sonne en plus. Maintenant, nous allons rajouter un pauvre petit kick minimaliste. Comme ceci. On a ça. C'est dans la boîte. Je m'endors presque. Bon, on va pas se contenter que de ça, non? Ceux qui me connaissent le savent, j'aime bien les chœurs. Donc, nous allons rajouter des chœurs, tout simplement, avec le chœur. C'est dans la boîte. Et vous savez quoi? J'ai envie d'aller encore plus loin dans mon délire avec les chœurs. Donc, ce que je vais faire... Donc là, c'est pareil, je duplique la piste, c'est-à-dire... C'est-à-dire que je reprends la même piste, mais je vais rajouter avec le même instrument une autre variante de la mélodie, ou tout simplement octave, c'est-à-dire que là, vous voyez ces petits chœurs là, eh bien, on va les descendre de 2 octaves pour les rendre un peu en voix d'autres tombes. C'est-à-dire comme ceci. Ou comme ceci. Alors là, carrément, c'est une messe funèbre. Donc, on va s'enregistrer ça tout de suite. C'est de la boîte. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Allez, on se lance ça tout de suite. C'est dans la boîte! Et voilà! Donc maintenant, il ne reste plus qu'à bricoler tout ça, parce que là, c'est un petit peu un chantier. Et une fois terminé, ben, je vous montrerai un petit peu le coin. We'll be right back.